Nous sommes au César Palace de Las Vegas. Et vous allez pouvoir vous servir de votre intuition pour franchir un obstacle. Écoutez bien, nous expliquons les règles à nos participants. Nous allons tester votre intuition. Vous voyez la piscine derrière moi? Vous allez devoir la traverser entièrement, d'une extrémité à l'autre. Mais vous n'avez pas le droit de vous servir de vos bras. Donc vous ne pouvez pas nager et vous n'avez pas le droit de toucher le fond. Donc vous ne pouvez pas marcher. D'accord? Vous avez ici des objets que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Voici les objets. Des pots de peinture, du ruban adhésif, un tendeur, un filet, des ballons, un tuyau d'arrosage, un jean, un cupcake et votre outil le plus précieux, votre cerveau. Qu'est-ce que vous choisiriez pour traverser la piscine sans vous servir de vos bras? Vous avez une idée? Nos volontaires vont s'affronter deux par deux et ils n'auront que 30 secondes pour fabriquer un système de flottaison. Ce n'est pas un délai suffisant pour réfléchir. Alors c'est le moment d'avoir une idée lumineuse, grâce à l'intuition. Alors, tout le monde est prêt? Oui! Nous commençons avec Dane et Amber. Voyons voir comment ils s'en sortent. Amber fabrique une sorte de joint d'étanchéité entre deux pots de peinture avec du ruban adhésif. Si son bricolage tient le coup, elle va peut-être y arriver. Allons voir où en est son adversaire. Il est en train de s'habiller? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il veut se servir du tuyau pour gonfler le pantalon! C'est tellement dingue que ça pourrait fonctionner! Vous pensez que l'un des deux a une chance de réussir? C'est le moment de se jeter à l'eau! N'oubliez pas, ils n'ont pas le droit de se servir de leurs bras pour traverser la piscine. Amber prend de l'avance. Dane a du mal à garder la tête hors de l'eau. Est-ce qu'il va gonfler son jean suffisamment pour pouvoir flotter? À en juger par les inventions loufoques de certains des participants, on peut dire que l'intuition ne fait pas toujours des miracles. Amber a fait un joli départ, mais ses pots de peinture commencent à prendre l'eau. Oh non! Dane ne s'en sort pas beaucoup mieux. Il a gonflé son pantalon grâce au tuyau d'arrosage, mais ça ne lui permet pas de flotter. Ils n'ont peut-être pas fait le bon choix. Regardez à nouveau ce qu'ils pouvaient prendre. Est-ce que votre intuition vous souffle quelle combinaison d'objets pourrait fonctionner? Voyons voir si Joe et Jordan se débrouillent mieux. Comme leurs prédécesseurs, ils n'ont que 30 secondes pour imaginer un système de flottaison. On dirait que Joe essaie de faire flotter les pots de peinture grâce au ballon. Quant à Jordan, elle a enroulé un tuyau d'arrosage autour d'un ballon gonflé et elle attache le tout avec du ruban adhésif. Nos deux participants n'ont plus que 10 secondes. Est-ce que les pots de peinture suffiront à maintenir Joe à la surface? Ou est-ce que la bouée artisanale de Jordan sera plus efficace? Fin du compte à rebours, c'est parti! Apparemment, l'idée de Jordan fonctionne. Oh oh, les pots de peinture se sont détachés. C'est fini pour Joe. Cram mince! Et le ballon de Jordan vient d'éclater. Dommage pour elle. J'ai cru que j'avais gagné! Nous avons maintenant vu 4 stratégies différentes et aucune n'a fonctionné. C'est au tour d'Adam et Cash. Voyons voir si leur intuition leur permet de traverser la piscine. Adam voit les choses en grand. Il met les ballons dans le filet. C'est une bonne idée. Vous y aviez pensé? Cash se concentre sur le jean. Est-ce que vous savez comment on peut transformer un pantalon ordinaire en système de flottaison? Regardez attentivement, on dirait qu'il a une idée. Il fait un nœud avec les jambes et il souffle dans le jean pour créer une poche d'air. Il dispose maintenant d'une sorte de gilet de sauvetage. Est-ce que le filet à ballon d'Adam va être aussi efficace? Après ce plat magistral, les ballons s'échappent et le pauvre Adam est hors jeu. Cash est notre grand vainqueur. Wouh! Ouais! Sur les 6 tentatives, seul un système de flottaison artisanale a permis d'atteindre l'autre extrémité de la piscine.